Les tournées de ça, européennes ou africaines, pourquoi pas? Est-ce que c'est pour cette année? Ça, c'est un vouloir. C'est notre besoin. C'est ce que nous voulons également. Après, si ça arrive, on ne dira pas non. Mais si ça n'arrive pas, ça arrivera un jour. De la façon dont vous regardez, qu'est-ce qui peut séparer aujourd'hui pour ICE? L'argent, les armes? Pardon? Qu'est-ce qui peut séparer aujourd'hui pour ICE? Bon, je ne pense pas vraiment qu'il y ait quelque chose qui puisse séparer Pop Ice. Séparation, en tout cas, dans le contexte que vous employez, je ne pense pas. Maintenant, séparation dans notre contexte, peut-être comme peut-être Clara, maintenant là, et la fin tour, quelque part. On peut considérer ça comme une façon de... une séparation, une courte séparation, bien sûr. Il n'y a pas... une somme qui viendra séparer Pop Ice, selon moi, il n'y a pas d'homme qui viendra séparer Pop Ice. Comme on a su le dire au début, Pop Ice, ça n'a pas commencé aujourd'hui. S'il fallait que l'argent sépare, l'argent allait séparer depuis. S'il fallait qu'un homme sépare, tout ce qui va séparer, l'homme allait séparer depuis très longtemps. Il pourrait aller à gauche, l'autre à droite. Si aujourd'hui X ne fait pas partie de Pop Ice, c'est parce qu'il a voulu en fait. C'est pas forcément que nous l'avons chassé ou soit pour l'argent et autres. Non, on est des filles, ça arrive aussi les discords. Mais sinon, si la personne veut quitter, c'est son vouloir. Et j'aimerais aussi ajouter que selon notre vision, Pop Ice, c'est pour toujours. Peut-être que Alléluia. Peut-être que ça ne sera plus avec Jeanne, Jolie Gamine, Dash Ice, Fenty, Clara. Il y aura mais sinon, nous formons maintenant là pour garder ce nom-là, que ce nom-là perpétue. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà les membres qui sont partis? Oui. Au départ, en 2021, on a passé le casting, on était retenu au nombre de 4. Et au final, on est resté 2. Donc, il y a 2 membres qui sont partis. Pourquoi? C'était quoi la cause? La vraie cause de non, les problèmes personnels. Hein, les problèmes, les études. Vous voyez, il y a des parents qui n'acceptent pas que leur fille ou fils soit danseur, danseuse. Je prends l'exemple de Jeanne. Jeanne, déjà, elle a eu vraiment du mal à rester avec nous. On a souffert. Vraiment avec Jeanne, mais Dieu merci. Tout est rentré dans le cadre. C'était même pas des parents. C'est sa famille et son grand frère. C'était la guerre. Donc en gros, c'est. Jusqu'à ce qu'elle a pu. J'ai eu à briser des liens de famille. Ouais, les liens de famille pour. Franchement, tu as brisé les liens de famille pour parler ça. Ah oui. C'est parce que j'aime la danse. J'aime ce que je fais. Et aujourd'hui, ça c'est tard. Ils ont accepté en fait. C'était pas facile, c'était un peu difficile, mais j'ai eu pas le choix. Je vais chez mes parents, mais c'était un peu difficile. Parfois que tu rentres à la maison, c'est des problèmes. Tu rentres à la maison, mais tu n'as pas envie de rester à la maison parce que tu sais quand tu vas rentrer, il y aura toujours des problèmes, on va te créer des histoires et tout. Bon, va au finish. Tu as eu des problèmes, mais je n'ai pas posé les mêmes familles. Il y a une famille, tu brilles, tu quittes, tu vas. À la fin, au finish, j'ai quitté. Des problèmes. En fait, disons qu'elle avait un peu la tête dure. Genre la tête dure, de quelle sorte que on te dit de ne pas faire, mais tu persistes, tu dis que tu vas faire. Et tu énerves tout le monde. Et aujourd'hui, ils acceptent ce qu'elle fait. Et aujourd'hui, au final... C'est pas facile, ils acceptent pas d'aide, je vous prends l'information, ils acceptent pas d'aide. Non, regarde. Mais par rapport à vous, oui, si là, c'est bon. Si je veux dire quelque chose, c'est... Tout prend du temps. C'est avec le temps qu'on règle ça. Et maintenant, là, dans la conception des parents, ou bien, je dirais, des Congolais, être danseur, ou bien, dans notre cas, être danseur, c'est avoir raté sa vie. Tout parent attend que son enfant aille dans un bureau, travaille en tant que médecin, ingénieur, et tout. Maintenant, quand je parle du temps, c'est juste le temps qu'il faut pour qu'il digère. Aujourd'hui, Clara a eu ce problème-là avec son frère. Son frère aîné n'était pas d'accord. Donc la seule qui la soutenait, c'était sa mère. En mettant tout le monde à dos. Vous voyez, à un moment donné, elle avait eu à couper certains liens comme son frère. Soit c'est la danse, soit c'est ton frère. Vous voyez. Mais vu qu'elle aimait ce qu'elle faisait,
elle a eu à apprendre la danse. Ouais. Mais au fur et à mesure qu'on avance et qu'ils se rendent compte que ce n'est pas de la prostitution, ce n'est pas rater sa vie, elle n'a pas arrêté avec l'école, ouais. elle continue à les faire plaisir, à les rendre fiers, même si ce n'est pas forcément avec la danse qu'ils s'attendaient à être fiers de leur enfant, ouais. Petit à petit, ils acceptent. Et c'est valable pour chacune de nous. Oui, oui. C'est valable pour chacune de nous. C'est juste le temps. Non, c'est pas valable pour moi. Chez les gamines, tu as des problèmes. Moi, je suis pour moi comme ça. C'est pas valable pour moi. Je n'ai jamais eu de problème. Non, tu fais pas ça. C'est comme ce que j'ai dit. Dans la conception des choses, ce sont les parents. Le sourire, ouais. Ce sont les parents. Mm-hmm. Dès que les parents donnent le top, tout est calé, tout est carré, tout est net. Et avec Jolie Gamine, la particularité par rapport à nous, c'est que son père est artiste. Et lui, il connaît déjà dans ce monde-là. Au contraire, ça l'a fait plaisir. Pour la première fois qu'il a vu sa fille danser devant lui, parce qu'il voyait les vidéos. Parce qu'il se rappelle que Jolie Gamine, son papa, c'est une légende. Oui, c'est une autre légende. Il s'y connaît vraiment dans ce domaine. Oui. Du coup, pour lui, ce n'est pas un petit problème. Cette particularité-là, c'est celle-là. Le père de Jolie Gamine était déjà dans la culture, en tant qu'artiste, très grand artiste de ce pays. Et voir que sa fille suit le même chemin, même si ce n'est pas forcément la même branche, mais sa fille suit le même chemin, ce n'est que... C'est une fierté, en fait. Exactement, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu dis chez la catégorie des parents qui pensent que dans la danse aujourd'hui, c'est la prostitution et tout. Tu peux leur dire quoi?